On est lundi soir. C'est un peu la. On va pas se mentir. Je crois que je vous l'avais déjà dit hier. J'ai fait une liste de tout ce que je dois faire avant notre départ. Et c'est long. Et elle est bien remplie. Avec ça, j'ai quelques cours. J'ai 4 cours en tout. J'en ai eu un ce matin, j'en aurai un demain, j'en aurai 2 jeudi. Heureusement, l'un la suite de l'autre. Mais voilà, c'est un peu la course. J'ai réussi à tricoter 1 cm de mon corps, du corps de mon Mayaï. Hein, on est d'accord? C'est pas beaucoup. Surtout qu'hier, je n'ai pas atteint les 20 cm. En fait, hier, après avoir filmé, j'ai décidé de pas me remettre à tricoter. Voilà, je me suis un peu posée hier soir avec mon mari. On a bouquiné. Je n'ai pas tricoté. Je ne vais pas dire que je suis à la bourre. C'est pas loin. Alors, ceci dit, là où j'ai quand même réussi à faire quelque chose aujourd'hui, c'est à coudre les sacs pour mes enfants, pour les cadeaux de mes enfants. Voilà. Alors, en fait, j'ai pris les tissus que j'avais utilisés les années d'avant. C'était des rectangles et je les ai cousus sur deux côtés. Donc j'ai cousu sur deux côtés. Après, à l'intérieur, j'ai fait un coup de surjeteuse pour que ça tienne bien. Et en haut, pour que ça soit un peu joli, un petit ourlet rouloté. Voilà. À un moment, je m'étais dit, il faut que je mette des rubans. Sauf que vendredi, j'ai oublié d'acheter des rubans sur le marché. Je me suis dit, au pire, c'est pas grave. Je me suis rappelé que j'avais du comment ça s'appelle? Twin tape, twin rope, je sais plus. Voilà, ces jolies ficelles bicolores, j'en ai de plusieurs couleurs. Donc là, je vais les utiliser. Après, je verrai l'année prochaine, soit je les utilise encore parce que j'en ai vraiment beaucoup, on va pas se mentir. Soit j'achète des rubans que je coudrai d'un côté. Voilà, d'un côté, je mettrai le ruban au milieu et puis je le. Après, là, l'avantage, c'est que avec juste la ficelle, c'est que je peux. Noué plus ou moins haut selon la taille de ce qu'il y a dedans. Parce que si une année je mets quelque chose d'un peu bas dans un sac un peu trop grand, ça va. Voilà, ben ça va être trop grand, quoi, vous voyez ce que je veux dire? A contrario, peut-être que l'année suivante, j'aurai dans un sac, là, par exemple, je le vois, là, ce sac est quand même pas mal grand, bah, là, ce que je mets, c'est pas. Voilà, c'est pas. Ça me permet de faire un tout petit nœud. Donc, il est possible seulement que je garde. Voilà. Et là, j'ai fait des petites étiquettes. Et je les mets. Et je les noue justement avec grâce à la ficelle. Et puis voilà. Ça sera fini. Comme ça, les cadeaux seront tous emballés. Et alors, attendez, oui, il est là. Je vous montre le sac que je fais, vous voyez, hop, que j'avais fait. J'avais acheté des tote bags tout simple. Et voilà. Je m'étais amusée avec ma machine de découpe, avec ma silhouette. Donc, c'était comme ça pour tout le monde. L'initiale étant dorée, dorée pailletée, le nom en rouge et j'avais mis des petites étoiles en pailleté rouge. Et donc, chaque adulte a le sien. J'ai mis mon pull moche acheté aux États-Unis. L'année dernière, l'année d'avant, je sais plus. Je l'avais pas mis beaucoup quand j'étais aux États-Unis parce que normalement il avait un bout de colle supplémentaire là, qui était très serré, qui m'arrivait très là.
Et c'était pas possible. Et je m'étais dit, quand je serai en France, soit je passerai un coup de surjeteuse, soit je le couperai, enfin, je verrai un peu plus près. Et là, en fait, quand je l'ai fait, je me suis aperçue qu'il était juste cousu. Que la partie haute était cousue à la partie basse, mais que la partie, cette partie-là, en fait, elle est finie là. Donc, j'ai juste eu à faire très attention à couper le fil de couture pour avoir un pull en couleur beaucoup plus basse, beaucoup plus agréable à porter. Et voilà. Et donc là, en fait, ça va être, c'est mon uniforme jusqu'à mercredi, en fait, pour mes cours. Voilà, c'est le petit clin d'œil. L'une d'entre vous m'a demandé, non, je ne suis pas prof, ni maîtresse d'école. En fait, bon, quand j'étais à l'école, voilà, jusqu'au fin du collège, oui, c'était quelque chose où je me disais, voilà, c'était une possibilité. Aussi parce que ben, c'est vrai quand on est jeune, on sait pas toujours, on ne connaît pas les différents métiers. C'est ce que j'expliquais à une copine de ma fille qui, du haut de ses 14 ans, veut être procureur. Et qui me disait, mais moi, quand je le dis, tout le monde est là. Oh, donc, tu sais déjà ce que tu veux faire, c'est bizarre. Et Lise lui disait, mais moi, quand je dis que je veux être prof, personne ne me dit rien. Je fais, c'est normal parce que tout le monde s'est imaginé à être un moment, en tout cas, voilà, beaucoup de monde s'est imaginé être prof à un moment parce que ben, c'est quasiment tout ce qu'on connaît pendant nos études, enfin, pendant nos études, avant le bac, quoi. Et donc, c'est normal. Alors que procureur, surtout que voilà, sa famille n'est pas du tout dans le juridique. Ça interpelle. Ça interpelle une jeune fille de 14 ans, comment elle en a entendu parler, comment. Voilà. Je dis pas que c'est tout le monde comme ça, mais voilà. Donc voilà, je me disais, oui, ben pourquoi pas être prof éventuellement. J'aurais bien aimé en fait, pour de vrai être libraire ou bibliothécaire. Bref, c'est une autre histoire. Début de première, j'avais pas trop le moral. Je savais pas trop quoi faire en fait. En dehors des cours. Et dans notre paroisse, en fait, c'était les parents qui faisaient le caté l'année où leur enfant faisait leur profession de foi. Très exactement, il y avait par groupe un parent volontaire. Ou désigné d'office au choix, qui faisait caté cette année. Moi, l'année d'avant, j'avais fait ma confirmation, non, j'avais fait 2 ans avant, et en fait, en seconde, on était restés, on était un groupe de trois, et puis il y en avait une qui avait décidé d'arrêter, donc voilà, donc on n'était plus que deux, on ne pouvait plus rien faire. On s'entendait bien, mais bon, voilà. Et voilà, tout ça, ça a porté un peu peine. Et puis, mon petit frère était en sixième, donc devait faire sa profession de foi. Et là, ma mère a fait, mais tu veux pas le faire? Tu veux pas t'occuper de la classe du caté cette année avec ta copine, toutes les deux? Voilà, vous avez un petit groupe. Et je dis, bah oui, tiens. Enfin, j'en ai parlé avec ma copine, on a fait, oui, bon, pourquoi pas. Alors, c'était super intéressant. Mais je suis sortie de cette année-là en me disant, jamais je serai. En fait, je déteste, et c'est encore pour aujourd'hui, hein, devoir faire le gendarme. Quand je faisais du caté au Havre, c'était le truc que je détestais, quoi. Devoir, non, tu restes assis, s'il te plaît, non, calme-toi, écoute-moi. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas du tout allée vers être prof, mais c'est quelque chose que j'aime bien transmettre, expliquer. Et voilà. À un moment, j'avais donné quelques cours de couture. Quand j'avais ma petite entreprise de patron, voilà. Bref. Pourquoi le réveil de mon fils en fin de semaine? Et puis voilà. Et puis on est parti aux États-Unis. Et puis, ben, le directeur de mon mari voulait apprendre le français. Et donc, ce panel, ben, grosso modo, ben, t'as le temps, tu pourrais le faire.
Et honnêtement, ça m'a intéressé, j'en ai pas beaucoup donné. Et à côté de ça, ben, je devais aider les enfants pour le CNED en histoire géo. Et en histoire géo, français, maths, et puis même un peu d'allemand. Et puis ben c'est là où on s'aperçoit que petit 1, c'est pas si facile que ça de transmettre, d'expliquer. Et en fait, là, je sais pas, entre ça et le confinement, même si nous, on n'a pas connu le confinement à la française, voilà, les enfants n'avaient pas école, mais c'était tranquille. Hein. Ce qu'ils faisaient, nous, ça a été assez proche de la fin de l'année scolaire. Bah, je sais pas, j'ai eu en fait un. Ça a fait tilt, je me suis dit, mais tout le monde n'a pas le temps, les connaissances, la patience, je sais que j'en ai pas avec mes enfants, pour les aider. Et que donc, ben voilà, je suis. Moi, j'ai quand même des connaissances, j'ai du temps. Et je sentais bien que si j'avais pas de patience, c'était surtout parce que c'était mes enfants. Et bah tiens, je vais essayer. Je vais essayer parce que ben ça fait. J'ai arrêté de travailler quand Lise avait 11 mois, 9 mois, juste avant d'aller au Havre. Et que ben là, la demoiselle, elle va bientôt, dans 2 ans et demi, elle va commencer ses études. Et que je me dis que là, un peu d'argent supplémentaire pour payer ses études, enfin, ce qu'il y a autour des études, quoi, son logement, si jamais elle n'est pas à côté de chez nous, voilà, et ben, ça sera pas mal d'avoir une rentrée d'argent supplémentaire. Et donc j'ai un peu cherché et c'était voilà, je me suis proposée par Casimir. Alors c'était un peu bizarre au début, bref, j'ai été prise et mais je m'éclate, enfin, vraiment. Comme j'ai un seul enfant, un seul élève en face de moi, ben j'ai pas à dire tiens-toi bien, enfin je m'en fiche quoi. Qu'il étudie bien droit là comme ça ou un peu avachi, contre-fiche à partir du moment où je vois qu'il m'écoute. Et où il fait, mais c'est les exercices que je lui demande, ça va. Voilà, ça me laisse plein de temps pour moi. Bref, c'est juste parfait. Alors oui, ça ramène pas beaucoup d'argent, mais j'ai pas beaucoup d'heures au final. Ce que je vous disais hier, j'ai 10 heures de cours, donc c'est un tiers-temps. Ben voilà, quand vous faites un tiers-temps, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Le salaire n'est pas très grand. Mais voilà, pour l'instant, bon, nous, ça me convient parfaitement. Voilà, je vais vous laisser pour ce soir parce qu'il faut que je fasse des étiquettes supplémentaires. Je n'en ai pas assez. Après, il va falloir que je prépare leur repas parce que Stéphane et Lise ont softball ce soir, donc il faut qu'on mange pas trop tard. Et quand ils seront partis, promis, 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 je tricote. Voilà, là, il faut que je dépote, là. C'est pas raisonnable, sinon j'ai vraiment, vraiment envie de porter ce pull à Noël. Je sais pas si ça sera le 24 ou le 25. Je pense que ce sera plutôt le 25, mais je veux vraiment le porter. Voilà. Bonne soirée et à demain.